Allô, 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 la famille. Bonjour, bonjour, la famille. Je vous dis bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous situez. Et pour cette journée, j'aimerais partager les informations concernant le cut-off ou les interviews du mois de août. Ceux qui vont se présenter pour les interviews du mois de août. Alors, beaucoup des amis m'ont dit que ces informations sont pas fiables. Alors, je vous dis, les amis, ce que je fais, ce n'est pas pour vous épater ou pour vous mettre en assurance aveugle. Ce que je fais, c'est à propos de des informations fiables, des informations correctes et des informations auxquelles tu peux même, je peux même t'orienter et toi-même, tu peux trouver ça. Alors, les amis, pour ceux qui avaient des doutes à propos de les interviews, il y a certains gens qui se sont découragés et qui ont déjà perdu espoir à propos de la déveloterie. Alors, les amis, je vous dis, je répète encore une fois, la loterie, personne n'a déjà encore arrêté ou suspendre la tombera ou la loterie des V. C'est pour cela que, aussi longtemps que ce soit utile ou est nécessaire, je pourrais vous mettre la mise à jour des informations correctes et fiables. Alors, ça, c'est pour les DV2020. Je rappelle, ça, c'est pour les DV2020 qui vont se présenter pour les interviews au son mois de août. Alors, les amis, les amis, les abonnés, mes amis, mes fidèles amis, je répète, toute l'Afrique est current. Toute l'Afrique est current. Il n'y a pas d'exception. Égypte, il n'y a pas d'exception. C'est toute l'Afrique. L'Asie, c'est toute l'Asie. Hein? L'Europe, c'est toute l'Europe. C'est-à-dire que tous les continents sont current. C'est-à-dire qu'ils sont current. Current, c'est-à-dire que depuis le case number 00, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire que celui qui a la plus grande case number pourra participer à l'interview de visa immigrant ce mois de août. Je répète, tous les gens qui ont été sélectionnés et qui ont les case number tout de 0 à 55 000 pourront avoir leur deuxième lettre dans leur email. Successifs. C'est-à-dire que avant, il y avait les cut-off, c'est-à-dire de 10 000 à 15 000 par exemple, ou à 10 000 à 20 000. Mais maintenant, la caisse ici, et je vous rappelle que cette pandémie de coronavirus, il a déséquilibré tout le système ainsi que tous les établissements. Si je dis les établissements, je parle des ambassades, je parle des consulats, je parle des services immigratoires. Alors, c'est pour cela que beaucoup, ils doutent sur cette information. Ils disent non, comment est-ce que l'Afrique, l'Europe, l'Asie peut être current alors que Donald Trump avait arrêté le service immigratoire jusqu'au 31 décembre. Mais je vous rappelle que il a arrêté, mais il n'a pas arrêté la tombola. Ça, c'est ces deux trucs, ces deux choses différentes. Il a arrêté les immigrations en général. En général, je rappelle, c'est en général pas seulement les DV. Les DV. Et puis, cette décision aussi pourra changer, peut changer d'ici quelques mois. Cela dépend de la situation des updates de la COVID-19, vous savez. Alors, les amis, pour ceux qui se demandaient que la tombola n'existera plus, cela est faux, cette information est fausse, est fausse, est fausse. Et puis aussi, je profite pour ceux qui continuent à repousser ou à. Je dirais comment? Il me manque le terme, hein? Les gens qui restent toujours négatifs envers les uns et les autres, leur disant que la tombera ne pourra pas avoir encore lieu,
Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Personne même a déjà prononcé son verdict disant que la DV s'arrête par ci, qu'il n'y aura pas de migration à partir de la DV. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Je vous rappelle que la DV Loterie, c'est un programme officiel avec lequel il a son budget national qui est financé par le service des immigrations. C'est-à-dire que ce programme, il travaille indépendamment, mais relationnellement avec le Sénat. Parce que c'est un département qui est supervisé par le Sénat américain. C'est pour cela que je vous dis que c'est difficile de suspendre ou d'annuler le tombera des véloteries. Ça, c'est une chose qui pourra passer par les élections. C'est un truc qui pourra passer par le vote des Sénats et des sénateurs. Alors, pour cela, je vous rappelle que c'était pour vous dire que les interviews du mois d'août pour les Davis 2020 pourront reprendre. Ce que je vous rappelle, c'est de vérifier vos emails dans vos emails. Surtout si tu ne trouves pas la deuxième lettre de la caisse ici, regardez dans le spam. Les spams, les messages souvent se cachent dans les spams. Alors, les amis, regardez dans vos emails actuels et regardez s'il n'y a pas de spam. S'il n'y a pas de message dans les spams, attendez d'ici une semaine parce que c'est dans ce mois même qu'on pourra vous envoyer vos deuxièmes lettres. Mes amis, ça c'est la primordiale conseil que je puisse vous donner avant de vous présenter à l'interview. Regardez si vous avez la deuxième lettre. C'est celle-là qui pourra te passer les portes de l'ambassade. Sans cette lettre, tu ne pourras pas traverser ou entrer à l'ambassade. C'est comme une invitation que l'ambassade te dit, viens, viens, viens ici, on a besoin de toi, on a besoin de te demander quelque chose. Alors les amis, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres suggestions, n'hésitez pas, si vous avez aimé la chaîne, c'est la première fois que vous trouvez cette chaîne, abonnez-vous les amis. Je vous ai dit que je pourrais creuser loin aussi possible pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez procéder selon ce programme de la DV. Alors les amis, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et aussi de partager pour tes amis. Les amis, ça c'était la vidéo sur l'interview du mois d'août ou le cut-off où tous les continents sont current. C'est-à-dire que tout le monde devra passer son interview. Les amis, je vous dis bonne chance et bon week-end. Ciao, ciao. Je vous aime.